Après le cheerblog numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, voici le cheerblog au championnat de France. Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouveau cheerblog, l'avant-dernier de la saison. Hein. Une petite finale à Châteauroux dans le centre de la France, bon, pas pu faire moins paumé que ça. Hein. Là actuellement on attend les derniers petits retardataires. Hein. Bonjour le vlog, on prend les minibus, on se dirige direction l'hôtel. Ça t'as un moment trop, c'est ça. Ok. C'est pas moi. Bon, on a 500 km de route, un peu moins peut-être. Je pense que ça va bien se passer. Là, on sort du véhicule. Peut-être l'éteindre, non? Il y a un bouton là. Ça se passe. Putain, mais. Je suis un trou du cul. Attention Camille. Et donc? Quoi? La petite phrase culte. Le stress est présent. Bonsoir. Chauffeur attitré, t'es content d'être chauffeur? Ça fait vraiment très très plaisir. 10 heures de route dans le week-end, ça va? Bon, ça va bien se passer. Et après on part en vacances. You can call me when you're lonely, when you can't sleep. I'll be your temporary fix, you control it. Even if it's just tonight. Qu'est-ce qu'on fait Théo? On mange des bonbons. On est où là Océane? Saint-Amand-Montrond. Ça va être 14,37€. Moi je dis 12,10€. 12,10€, 14,37€. 10€. 10€ toi? Moi je dis 9,80€. Moi je dis 6,40€. 11,30€. 12,40€, j'avais raison tout à l'heure. Quoi? Mais regarde, elle m'a le fait. Coucou. Vas-y. Arrêtez les gens, vous rentrez tard ce soir. Non, alors, il y a ici un lit, un deuxième lit, et une magnifique salle de bain. Mais il est-ce qu'en un miroir, je pourrais me voir tous les matins? Vous savez quoi, je suis très contente d'avoir pris mes affaires. C'est comme chez ta mamie. Nous, il a C-D-O-M-A-C-D-O. Nous sommes une équipe de... Ils sont partis sans moi. Ils voulaient me piquer mon McDo. Nous sommes en train de manger. Oh merde, vous devez de mémé. Allez. 7h35. Lorsque je pars pour aller prendre un petit déjeuner, tu vois. Genre bien manger pour bien faire du sport. Bonjour, on vient pour le maquillage. Bonjour le monde. On a des gens pas très beaux dans l'équipe, donc on est obligé de faire beaucoup de travail. Le fisc, c'est pas valable du tout, tu sais. Inspection du maquillage et du coiffure. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben j'ai mis trop de paillettes. Comment ça se fait? Rapport de coiffure et de maquillage. Là, j'ai plus que 20 minutes pour faire de perchage. Allez, la capa. Je me suis pris une petite douche. En fait, comme un con, il y avait plus d'eau chaude, tu vois, parce qu'Axel hier, il a pris un bain. Le du coup, il tapait grosse douche d'eau froide, mais tu vois, bien froide. Je pensais que tu aurais eu pas trop froid, mais en fait. C'est du bien. Ouais, ça va en vrai. Tu vois, tu sors, t'as chaud, t'es bien. Ça réveille. Donc ça réveille, on va dire. Et du coup, je suis en bon. Qu'est-ce que tu fais, Théo? Je me lisse les cheveux. T'es sérieux, toi? Seven, eight, one, two, three. Ah, tu dégoûtes. Dans. On a une heure de route, on va à Châteauroux pour la finale. C'est trop tard. T'entends rien. On est les plus jolies. J'en ai les équipes à côté. C'est fan. Nous on est les meilleurs. Est-ce que je suis rousse? Il y en a Châteauroux. Châteauroux. Non, non, non. Chambéry. Qui sommes-nous? Les aigles. Qui sommes-nous? Les aigles. Même que l'année dernière. Ouais, attends. On est des stars ou on est pas des stars? Bah on est des stars. Le bruit du bain. Je
pense quand on va voir la salle qui est super impressionnante, là le stress va monter quand même. Là on se prépare, on fait les dernières finitions. Ensuite à midi on part à l'échauffement. À manger c'est pas l'essentiel. Ensuite on revient à 13h, on a une heure et demie et ensuite on passe. Après contrôle des juges. Et là on rentre dans les choses sérieuses, tu vois. On rentre dans le vif. T'as vraiment l'air con comme ta caméra. Là-bas, t'as une caméra embarquée, c'est stylé. C'est bon là ? Ça va, non. Wow. Tu vois, nous on va passer là. Avec un joli prat. Ouh, font des kiwis. Le stress est présent. Le stress est présent. Ça a complètement fait tu vois. Les premières équipes françaises que j'ai regardées, bah, c'est presque vous quoi. Ouais. Tu vois, je te dis, tu fais toute la France. T'es célèbre. Il n'y a pas de sandwich végétarien. Chipo, merguez. C'est pas normal. Et un sandwich chipo pour Robin. C'est la marque. Oui. Non. Parce qu'il va pas rentrer sur le prêt avec. Ça, son prêt avec. Oh. Voilà, parce que tu commences la routine et déjà t'attaques direct ouais. Premier truc. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Enlevez ce qu'il y a dedans et tu les fais. Oui, madame. On arrive à l'échauffement. Voilà. Et on suit le live en même temps. Si vous avez soif, j'ai des petits trucs. Bah, ça va déjà mieux quand même. Elle me tape la tête avec son pied comme ça. Non, je l'ai pas fait là. On s'entraîne pour l'année prochaine, Elite, Paris Cheer, tout ça. En vrai, tu peux faire un jeu de... J'ai rien dit du tout. Non, non, mais pas de Paris Cheer, hein, pas d'élite, c'est niveau 2 les aigles. Dernier entraînement sur le Prat. On a fait ce qui est très important, échauffement avec musique, conditions complètes. Et là, on prend le bus pour aller donc à la salle où on va passer. En train d'attendre pour passer le contrôle des juges. Oh là, après c'est quoi ? Et je dis que tu pas je me dis c'est pas. Pas oui, 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 oui. Content d'avoir deux mecs avec toi ou pas ? Ouais. On fait des trucs un peu plus courts, on aura des saletés et tout ça. On a été interviewé par le Parisien par Barthes. Le petit quotidien. Vendredi transpli, enfin c'est quoi ? Il y a moyen. Ça s'appelle le nom de l'Excel. Et alors, c'est très simple. Il y a tout pour réussir. Il y a tout pour réussir. Il y a tout pour l'Excel. On peut leur rapporter la coupe. Thank you.
et imposé au sol. On n'a pas foiré. Déjà on a fait un truc mieux qu'au calife pour moi. Je suis pas tombée. T'es pas tombée? Enfin si, mais rattrapée. C'était copain. Ça va. Léna elle a dit qu'il n'y a eu aucun oubli cette fois. Ouais, Armel elle s'est mise à courir en milieu là. Hein. On l'a vu. Hein. Elle est tombée en avant, du coup je l'ai rattrapée. Même j'ai pu, elle a touché à peine, mais bon. J'ai un nœud en plus. Ah bah voilà, voilà, voilà. Arrête de parler là et arrête de bouger. Non mais regarde mon nœud comment il est. Ce qui a coûté le plus de points, c'est les baskets où en fait la front il faut qu'elle réceptionne les pieds. Il y a 4 bases obligatoires sur un basket. C'est nouveau, ça. Et 18 points de pénalité. Comment c'est ça? Et je lui ai dit mais au calife on nous a pas dit. Elle dit on a peut-être pas vu. Je fais si, c'est obligé parce qu'on a fait la même chose. Et elle a dit bah c'est une erreur parce que normalement au calife mais ça fait 18 points de pénalité parce que les fronts n'ont pas réceptionné les baskets, chose qui sont passées parfaitement aux qualifications. Donc à justice. Comme l'année dernière. C'est filmé. Faire un faux la fin, mais j'y arrive pas. Beau gosse. T'inquiète, je vais mettre des petits coups. Voilà, on est prêt pour le départ. De ouf là, hein. On va tout donner. Bah, on parle à McDo, ça va faire sa victoire. Parce que la victoire, c'est avant tout l'état d'esprit. Faut pas oublier. C'est bien, les chaussures, elles accrochent. Allez. Wouah. Là, tu mets des explosions. À toi, vas-y, fais la même chose que Camille. Voilà, c'est ça. Mais il a qui, non? Oh, ma gars, ça jette. Attends, ouais, je vais mettre des... Allez. Non, c'est Arnaud, là. Un mot? Désappointé. En plus, on est en colloque. Toujours plus loin. Contente, j'ai un McFleury. Moi, j'ai bien mangé. Moi aussi. Ouais. McDo. C'est la seule meuf qui prend du jus d'orange à McDo. Tiens, tu prends du jus d'orange. Tu peux me laisser la place de Julien dans la bus. T'as un chargeur, s'il te plaît. Audrey, un petit mot. Eh bien, moi, je suis fière de vous. Vous êtes trop beaux. Je vais tous vous garder l'année prochaine.